Il est mignon lui. Des années d'entraînement, t'as passé des années pour faire autant de merde. Ah ouais. Vos faiblesses sont révélées. On va dire que c'est une différence de talent tout simplement. Petrova est née avec voilà un talent infini, un potentiel illimité. D'un autre côté, l'enchanterait, c'est né avec le visage, on va dire. Hein, voilà. C'est triste. Enfin, c'est vrai. Hein, c'est comme ça. J'aime bien me foutre de sa gueule. Mais je sais pas, c'est... On va dire que vous m'accorderez qu'elle a un DPS fois hein, au moins ça. Vous avez perdu. Après, peut-être qu'il y a des fans de l'enchantresse parmi vous, je sais pas. Peut-être que c'est votre trip. Je sais pas pourquoi je la garde d'ailleurs. Je préférais tellement le brigand. Hein, c'est... Voilà, il faudra que je me souvienne, prochaine session, que je mette le brigand à la place. En fait, pourquoi maintenant je me rappelle pourquoi je l'ai pas changé depuis un moment. Je m'attendais à qu'il y ait un quatrième compagnon qui apparaisse, comme justement à l'époque avec le bandit, etc. Mais j'imagine que non. Il y a les trois. Oh ma voix. Il y a les trois classes représentées. Il y a le guerrier, enfin le templier, guerrier, moine, paladin, bref. Et puis il y a le bandit et là il y a la mage, on va dire. Enfin le bandit c'est le chassou, hein, classique. Et donc voilà, je pense pas que... Sauf s'ils veulent symboliser les classes Oh, un gobelin. Ah, t'as pas trop de chance sur ce coup. J'ai pris un sort qui fait moins de dégâts, mais qui te perd ma stun quasiment. Ils sont quand même devenus tanky, hein. Transporte trop de choses. Bon bah on va se TP. Tout simplement. On va vendre tout ce surplus. Sauf s'ils veulent, ils veulent symboliser, j'avais envie de dire, désolé je me perds. Les classes de Diablo plutôt. Et donc j'imagine, bon en même temps le Templier j'ai l'impression qu'il ressemble plus au moine. Il peut soigner donc je me dis que c'est une sorte de mixture entre guerrier et moine. Donc peut-être que ça couvre ce qu'ils veulent couvrir. Merde j'ai vendu quelque chose que j'aurais peut-être pas dû. Non ça va. Et peut-être que d'un autre côté, par contre il y a le démoniste qui couvre pas. Donc est-ce que voilà ils veulent réellement couvrir des trucs de Diablo donc ils vont on va éventuellement rencontrer un démoniste. Enfin un démoniste j'appelle ça, c'est pas vraiment c'est un sorcier voodoo style, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais pas trop c'est quoi son nom exact, je m'en rappelle plus, j'oublie à chaque fois, pour moi c'est le démoniste et voilà. Donc bon on verra, peut-être que nous rencontrerons justement un démoniste qui sera bien sympa et que j'apprécierai, qui sera mon compagnon à la vie, comme à la mort. Mais bon, pour l'instant, petite pause les amis, j'ai consommé trop de thé, je dois aller aux toilettes, vite fait, je reviens. Oui, détail qui tue, j'aurais probablement dû vous en passer, mais voilà, j'aime partager avec vous. Même quand je mange, vous voyez, je mange avec vous, donc un jour, on fera une session dans les toilettes. Yo, les amis, c'est H. Oui, j'aime bien tordre mes mots, déjà que je vais me prendre une session de merde, j'essaie de la camoufler en tordant les trucs, vous voyez, c'est une technique. Apprenez, apprenez. Non, je déconne. Plus sérieusement, on va virer cette chère enchanteresse et on va reprendre le bandit. Parlez-nous un peu de la guilde des voleurs. Je n'ai pas le droit. Ouh. Mais vous pouvez avoir confiance en moi. Il y a un sort qui m'a été lancé. Si je parle de la guilde, je mourrai sur le champ. Je ne vous crois pas. Et vous faites bien. Oh, je sens que je vais m'amuser. Ok, parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Donc on va mettre le brigand. J'ai remarqué qu'il y a un câble de niveau différent. Elle a encore un spell à prendre alors que lui est au même niveau. Il les a déjà tous. Donc j'imagine que c'est la même chose pour le Templier. Et on va justement profiter du brigand de son langage assez spécial, on va dire. Hein. L'arme qu'il manie lui n'est point l'arbalète, mais la langue. Et vous pourriez retourner ça en disant l'arme que vous maniez vous n'est pas la langue, mais je vous laisse faire preuve d'imagination.
Ouais, j'aurais probablement dû mettre l'explosion sur la petite merde qui me suit derrière, et bon, hein, on se réussit pas à tous les coups. Un combat difficile et un butin mérité. Tu trouves difficile, nous avons des... une définition relativement différente. Mais bon, soit. Et comme à mon habitude, Ash Style, ça va être le dernier truc, encore une fois, que... Ouais, ouais. Oh tiens, ça les a pas tués. Intéressant. Intéressant. Je dois attendre pour faire cela. Ouais, les amis. Vous avez eu... vous avez pu faire preuve... je sais pas, c'est super adieu. Vous avez pu réaliser à quel point Petrova est tanky avec ce petit, cette petite expérience que je voulais partager avec vous. Mmh. Ouais, plus sérieusement, j'ai reçu un appel pendant le truc et je devais répondre, c'était urgent, donc désolé. C'est très court en même temps, j'aurais dit ouais, désolé, pas le moment. Ok. Donc c'était pas urgent, on raconte des conneries, mais voilà, je devais répondre, sinon ça allait durer plus longtemps. Connaissant la personne, elle aurait rappelé 10 fois, donc. Pour nous éviter à tous des sonneries d'un téléphone aussi vieux que. Que ma chère personne. Tiens, voilà, j'ai dû répondre. Donc, c'est je pense ici finalement. Oh, oh, ça, ça va être beau. J'ai plus de mana. Oh. Ah, c'est beau. C'est jouissif. Ah. Quand même, avouez que quand même. Si jamais vous comptez jouer à Diablo, ou si vous y jouez déjà, vous saurez. Si vous ne y jouez pas, vous saurez un jour si vous le faites qu'il n'y a rien de mieux, rien qui peut égaler de pouvoir foncer dans un pack d'une cinquantaine de mobs. Bon, c'était pas une cinquantaine, mais voilà, imaginez qu'ils sont tous remplis de mobs et faire 3 spells. Je suis tout le monde. Ça, c'est. Nous avons découvert les archives de Cole. Les salles étaient étrangement vides. Au départ, le mage les a truffés de pièges. Chaque pas est plus difficile que le précédent. Il était d'ailleurs stupide de s'attendre au contraire. Cela fait des années que Cole se prépare à ce qu'on vienne le débusquer. Peut-être sommes-nous téméraires, et pourtant, nous devons avancer. Un boss un tout petit peu plus coriace que les autres, du fait que quand il lançait sa petite flamme à la con, je pouvais pas rester dessus ou je me mangeais des dégâts de fou. Un deuxième bout, ok. Eureka. J'ai enfin percé les secrets des pierres d'âme que Tyrael confia jadis aux Oradrim. Elles sont une création, certes impressionnante, mais je suis sûr qu'elles peuvent être reproduites. Non pas simplement reproduite. Mes archives sont enfouies à la pointe nord des sables désolés. C'est là que nous trouvons mon corps, ainsi que la pierre d'âme noire. Pas de problème, donc nous irons nous occuper. Bon, tu vois. J'ai envie de voir combien de dégâts ça lui fait, ça. Je fais vraiment des dégâts, ouais, ça lui en fait, mais très peu. En tout cas, ça lui en fait beaucoup, mais je m'en rends pas compte, vu que c'est... voilà. Est-ce que c'est par là, c'est... Oh, oh, non, j'aime pas ces petites saloperies, elles sont trop chiantes à tuer, voilà, mais... Bon, je retire ce que j'ai dit. Mais bon, avec ce combo, vous tuez tout le monde, donc bon, je voulais pas claquer tout mon esprit sur pareille petite créature, bon, c'est pas grave. Bon, j'abuse, faudrait que je commence à... que j'apprenne à économiser. Voici l'entrée de mes archives.
Laissez-moi activer le portail. Sans problème, fais-toi plaisir. Pendant que je tue ces petites saloperies qui font chier. Pour ce genre de saloperie, vous voulez vraiment avoir le spell, le dash, normalement sur le 2. Plutôt que ce point explosif qui ne sert absolument à rien dans ce cas précis. Tout cela, je l'ai construit pour mes recherches et mes expériences. Créer la pierre d'âme noire ne fut pas chose aisée. J'ai beaucoup sacrifié pour la façonner. J'aime bien le mec. J'ai beaucoup sacrifié pour façonner la pierre d'âme. Je sais pas, dis quelque chose de plus badass avant de faire ton rire à la con. Dis pas, et c'est pour ça que j'aime bien aller me balader dans la prairie. Ça n'a pas de sens. Oh mon dieu. Zoltun, mon pote, des fois tu fais des trucs ridicules. Bon, côté ridicule, je peux pas vraiment ouvrir ma gueule, mais bon, hein, au moins je l'assume. Toi, tu es supposé être un boss machiavélique qui veut de la baffe de Petrova, qui sait pas comment la tirer, donc il doit faire de la merde. Oups. Oh Léa. On dirait que j'arrive juste à temps. Empereur Akan, qu'est-ce que vous faites ici? Tout le monde est là. Parfait. Je suis venu vous dire que j'ai trouvé Belial et que je suis prêt à vous conduire à lui. Alors le seigneur du mensonge sera vaincu dès que nous aurons retrouvé la pierre d'âme noire. Tout cela est bien joli. Mais je dois d'abord être reconstitué. Nous allons tenir notre engagement. N'oubliez pas le vôtre. J'adore le bandit. Ils sont là à faire la conversation. Nous devons détruire la menace qui pèse sur ce monde. Et lui derrière, date pose. Regardez-moi ça. Les hanches, voilà, la main sur les hanches, bien posée, une jambe à l'avant, une autre en arrière, prêt à charmer, mesdames. Vous le sentez, hein? Regardez-moi ce regard, cette barbiche. Oh non, mais ce truc de fou. Je t'adore le bandit. Oh, the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va parler au nain de jardin. Comment il est arrivé ici? Comment êtes-vous parvenu à apparaître sous nos yeux? Il me surveille de près. Je ne peux pas quitter le palais. J'ai volé une amulette à l'ambassadeur des Vice-Jureilles. Je l'avais déjà vu l'utiliser. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Vous devez trouver la pierre. Je m'occupe de Belial. J'ai comme l'impression qu'il ne nous dit pas tout. Pas vous? Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Si. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Derrière ces portails se trouvent deux reliques, autrefois alimentées par la puissance de mon sang. Prenez les fioles que vous avez récupérées et allez les réactiver. Ok. Je vais rester ici pour préparer le rituel. Faites attention à vous. Sans problème. Nous allons nous occuper de ça tout de suite. Les anges ne valent pas mieux que les démons. Saviez-vous qu'ils avaient jadis voté l'élimination de l'humanité? Seul un vote nous a sauvés de l'extinction. Tyrael, notre sauveur ne peut être que lui. Oui, quoi qu'il soit d'autre, il est l'aspect de la justice. Et il n'y a aucune justice au génocide. Intéressant, signé. Mais Petrova a confiance en les dieux qu'elle sert. Et aucun langue fourchue ne parviendra à me faire penser différemment. Ouais, je me suis foiré entre temps. Faites pas attention, on continue comme si de rien n'était.
Ça fait partie de ce que je voulais dire. Si, si. Ok. Voyez pourquoi j'ai pris le spell 2, il est quand même trop pratique ce spell. Il me permet de, voilà, m'assurer qu'il ne s'échappe pas de moi tout simplement. Trop fort, trop fort. Trop forte. Non mais... trop c'est... trop. Je manque de mots pour décrire à quel point Petrova est puissante. Oh wow, ça tire de partout mes mignons. Non mais wow. Les dieux frappent par ma main. Tu l'aimes bien mon coup de pied dans ton cul le rocher? Tu l'as senti passer? Voilà. Oh, 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 oh. Badass Petrova, toujours sans problème à affronter l'ennemi. Ouais, je vais y aller en ligne droite parce que, bon, ça commence à bien faire et les grosses infinies. Oh, pendant que des petites merdes me suivent. Bien. Mais crève. Oh. Il est irritant lui, non, c'est une araignée qui veut, voilà, Mazo, elle veut de la baffe de Petrova à l'infini. Ok, si ça se trouve, c'est même pas le bon chemin, la ligne droite. Je n'ai plus assez d'esprit. Oh, ils sont élites, j'avais pas remarqué. Enfin, élite, je sais même pas si on peut dire ça. Oui, je me suis un peu amusé avec la touche 2. C'est quand même bien de pouvoir se mouvoir d'en haut, en bas. Voilà, hop, hop. Tiens, viens ici. Viens toi ici. Voilà, c'est quand même... La tempête se déchaîne. Et on va récolter toutes les petites merdes qu'on a laissées dans le chemin. Et bien sûr, fallait qu'un autre ogre se réveille pour se faire défoncer. Bon, c'est cool. Oh tiens, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Par contre, ce que je sais pas, ce qui reste un mystère pour moi, c'est comment fait le bandit pour se mouvoir aussi bien que Petrova. Parce que bon, avec ma 2, je suis supposé aller super vite, mais lui, non, tranquille. Ouais, ouais, je te stick, je colle. T'inquiète, je suis. Ok, donc on a fait ça, en ligne droite quasiment. Enfin, on a tourné à gauche là où on pouvait plus continuer. Est-ce que c'est moi, ou est-ce que cet endroit ne vous semble pas à vous aussi être un tantinet légèrement lugubre? Ça doit être à cause des coups de tonnerre. Probablement, c'est les coups de tonnerre, oui. Pas les araignées, pas. Subissait le courroux d'Itar. Je sais même pas c'est qui, mais... Ah, on va dire que c'est un dieu. Petrovic. Oui, Petrovic, ça se dit. J'aurais pu aider tous les hommes à redevenir des Néphalem. Et un âge d'or aurait alors commencé. Mais... mes frères Oradrim n'étaient pas prêts à accepter le vrai destin de l'humanité.
cacherons ensuite dans le désert, sous une garde éternelle. Il faut considérer que le monde n'oublie pas le mal. Donc, premier verrou, est-ce qu'il y en a deux? Ok, non, en fait, ça, c'est le seul verrou qu'il y a dans cette partie. Donc, il faut que je sorte, j'imagine, que je me téléporte. Ou que j'aille à la sortie, tout simplement, sauf s'il y en a une... Il doit y avoir ici une pierre pour me téléporter, non? Voilà, le terminus. Parfait, et je sais pas si... C'est une bonne idée que je fasse ça. Parce que je vais manquer de temps. Et j'ai peur qu'avec la pierre noire, il... Je sais pas... Bon allez, on va le faire. On va le faire. On a confiance. On se dit qu'on va le faire vite fait. Parce que c'est H et que j'ai confiance. Je suis optimiste. Vos forces vous abandonnent. Voilà, des araignées, elles sont mignonnes, les petites créatures à penser qu'ils peuvent fight contre le grand, la grande, l'unique, la puissante, Petrova. Ok, par contre ici, la ligne droite, elle est un peu plus compliquée. C'est par où la ligne droite? Je peux pas aller comme ça, moi, donc je vais où? Bah, on va dire que la ligne droite, c'est en bas. Raté. Touché. Non mais ça se prend pour qui? Le rocher il veut changer de la baffe. Tiens, allez, fist fight, on bouge pas, on esquive pas, tiens, voilà. Pendant que je laisse le brigand parce que j'ai confiance en lui. Et je le caresse. Enfin. Et c'était même pas par là. Ok. Bon à savoir. Ce serait pratique si je pouvais. Non, dommage. C'est pas une téléportation. C'est juste un mouvement rapide. Oups, j'ai pas. C'est ça que je voulais faire. Avec ça, j'ai claqué tout mon esprit. Like a boss. What? C'est fermé ici aussi? Ah, me dis pas que. Ah, les amis. Ah les amis. Vos faiblesses sont révélées. Me dis pas que c'était juste là et que j'ai pas vu, c'est par là qu'il faut passer. Ouais, il y avait une ligne droite, c'est juste, c'était pas la bonne, c'est tout. C'est ça qu'il faut péter, ouais. L'assemblage arcanique pour virer les filles dans le jardin. Parfait. Espérant que franchement cette fois nous... Parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire une grande session, donc j'espère que ce sera pas plus lent, sinon bah tant pis les amis, on s'arrêtera au milieu. Et on finira la prochaine fois. Donc pour l'instant j'espère que ça passe. Tiens, viens. Vos forces vous abandonnent. Allez, venez tous, Jago tout le monde. Je joue avec le feu mais Petrova peut le faire. Quand Petrova joue avec le feu, c'est le feu qui se brûle. Allez. Tiens, toi, non mais tu te crois tranquille là-bas. Je crois que je vais pas oser venir. Bon. On continue ligne droite. On esquive. Oh, comment j'ai tout brain. On esquive. Puis je remonte parce que j'ai pas envie de laisser. Oh, j'avais plus d'esprit. J'avais pas remarqué. Mes forces reviennent.
tanky ces araignées quand même. Voilà, j'ai aggro toute la zone quasiment. Et je vais continuer à faire la même chose pour aller le plus vite possible. Non, les ignore, fais comme si t'avais rien vu. Oh. Est-ce qu'il y a quelque chose à casser ici? C'est pour ça qu'elle est venue, le rampant de mon anus. Viens, brigand, non, viens, te fais pas tuer, on va continuer, on va gros tout le monde. Et je me suis gouré. Les faiblesses sont révélées. Et on continue. Voilà, l'exploration, vite fait, bien fait. Oups, j'ai tiré deux fois de suite, c'était pas ce que je voulais faire. Des fois j'ai le clic lourd sur le bouton droit. C'est pas grave, mais bon. Ça m'a un peu claqué de l'esprit en trop. Voilà, je pense que nous y sommes, les amis, ça va être ici, je le sens, j'ai un pressentiment. Ou pas. Ok, on continue, on les ignore, on n'a rien vu. Venez me fight, oui, tout le monde, venez. Vos faiblesses sont révélées. Oh, le con, il a plus où s'échapper. Et en plus, je me heal, voilà, non, mais c'est parfait pour moi. Sauf quand il fait ça. Ça, c'est pas drôle de ta part, mon pote. Enfin, ça m'a pris un petit temps, mais... J'allais jeter l'arme légendaire. Je sens que je vais continuer jusqu'à ce que je vais la faire un jour. Une connerie dans le genre, je vais être là. Oh là là, c'est quoi ce que je dois faire? Oups. Et je l'aurais jeté. Une lance légendaire jetée par terre pour rien. D'ailleurs, je vais la remettre, hein, je compte pas garder mes armes. Allez, on fait un sourire et on donne tout son arme bien sagement. Ah, c'est emmerdant ça. Les amis, je vais devoir vous laisser. Surtout que je sens qu'on était à la fin. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, les amis. Je vais m'arrêter ici. Je suis pressé. Je dois sortir de chez moi, là. Oh, bon. Et une autre fight pour me rendre à la tâche plus compliquée. Oh non, c'est la fin, ça. C'est la fin. Ok, on s'arrête pas. Nous savons tous que la fin des temps approche. Mais croyez-vous vraiment que Bélial et Asmodan pourrait avoir mis tout cela en branle? Oui, ils sont les héros de la fin des temps. Peut-être pourriez-vous l'attendre en silence, si vous le voulez bien. Cole ne peut tout simplement pas être tué. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Son sang est de sable. Et son rire nous nargue. Il n'y a plus qu'une solution. Nous allons séparer sa tête de son corps. Je n'ai plus assez d'esprit. Et cacher celui-ci dans le royaume des ombres. Bah ça c'est fait les amis, nous avons pu. Alors je pensais voilà m'arrêter, mais j'ai eu de la chance sur ce coup. On va s'arrêter là. Et nous reviendrons justement finir, je pense, ressuscité. Je pense que nous avons tout accompli, ressuscité. Cool, voilà, on va l'appeler Cool, c'est bon, parce que je n'ai plus de son nom. Enfin, son prénom. Vu que j'imagine Cool, c'est son nom de famille, bref. C'est important, si, on sait jamais. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les amis. C'était A, j'espère que vous êtes bien amusés avec moi dans cette session de folie sur Diablo. On se retrouve très bientôt. Pour justement nous occuper de ce bon vieux Cole, parce que je sens
Bien qu'il est là pour nous aider normalement, je sens que... Non, non. Qui va faire une connerie. Peut-être veut dire c'est marqué sur sa gueule, je sais pas, c'est ça tranche. Allez, bon, je vous laisse les amis. Bye.